Bonjour, bonjour, docteur Claudio Saracinon, diplôme de CS, méthode de CS, diplôme de CS vrai et professionnel par le vœu majuscule, unique au monde. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais répondre à une personne de Ankara, Turquie, qui me pose cette question. Cher docteur, j'ai des différentes allergies au nickel, à la poussière, etc. J'ai lu des livres, je suis les médicaments de mon médecin, mais je me suis approché même à l'homéopathie. J'ai lu des livres sur l'hypnose. Je voulais savoir par vous qu'est-ce que vous en pensez sur les allergies, sur l'esprit, les subconscients, etc., etc. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Je réponds à ces messieurs, je réponds même à toi. Les allergies, écoute-moi bien, mon pote, ma chérie, sans si et sans mais, elles sont liées à ton subconscient, d'accord, à ton pilote automatique. Et je m'explique. Tout ce que tu vois dans ton corps, sur ton corps, et même dans ta vie visible, invisible, il est un fruit de tes pensées, de tes émotions, de ton subconscient, les 88% de ton esprit, c'est-à-dire de ton pilote automatique, du célèbre génie de la lampe d'Aladin. D'accord? Et donc, pour éliminer les allergies, tu dois convaincre ton pilote automatique, ton subconscient, que c'est fini de te donner les allergies. Parce que tu vas effacer l'image ou les images qui sont hébergées dans ton subconscient. Je m'explique mieux. Tu dois réfléchir un petit moment. La première fois où tu as eu la première fois ton allergie, qu'est-ce que tu étais en train de sentir comme émotion? Qu'est-ce que tu étais en train de ressentir comme émotion? Peur, rage, honte, nervosité, stress, divorce, solitude, abandon, panique, etc., etc. Réfléchis un petit moment. Ou peut-être tu t'es déplacé d'une ville à l'autre à cause de tes parents. Ou même tu viens de divorcer. Mais il y a plusieurs situations, événements qui peuvent déclencher une émotion négative. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Le subconscient, pendant que tu peut-être ressens une émotion si grave, négativement parlant, lui dans ce moment-là, il est en train de toucher peut-être de la poussière ou même par tes sens, par ton corps, par tes mains, ou même dans ce moment-là où tu prouves vraiment une rage forte, une forte émotion négative, peut-être, il y a les fleurs qui fleurissent, il y a le printemps, ou même il y a un objet avec du nickel à côté de toi. D'accord? Donc, il peut se passer n'importe quoi, et comme ton subconscient va lier à un objet, à une situation, à une chose comme la poussière, le nickel, les fruits, le printemps, les pollens, etc., etc., toutes les fois que ton subconscient va enregistrer ça, il va s'exprimer par les allergies. D'accord? Il va te dire, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux entrer dans ton subconscient et effacer les images que tu te poses dans cette situation pour ne plus ni souffrir et ni avoir des allergies. Si tu ne veux pas aller autour de toi, dans n'importe quelle ville tu habites, tu peux décharger un audio MP3 très puissant naturel du titre pas d'asthme, pas des allergies. Tu vas suivre les instructions très faciles, la preuve d'un grand-père, la preuve d'un idiot, la preuve d'un flemmard, et tu vas t'étonner du pouvoir de ton esprit. L'hypnose de CS, vrai professionnel par le V majuscule unique au monde, marche même
pour les gens, pour tes chers qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être aidés par personne. Comme elles ne demandent pas ta volonté, ta permission, ton autorisation, ta participation, ton engagement. D'accord, mon pote, ma chérie? À toi seulement le choix. Écris, s'il te plaît, en bas, dans les commentaires, si tu as encore des doutes, si tu veux comprendre encore mieux, je vais te le développer, te l'expliquer d'une autre façon, sur les allergies dans ces cas-là, ou l'asthme dans ces cas-là, ou même, tu peux écrire en bas, dans les commentaires, même d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres arguments que je peux développer pour toi. Gratuitement, d'accord, mon pote, ma chérie. J'attends tes questions, pose-les-moi. Visite, s'il te plaît, mon site internet www.hypnologieassociative.com. C'est l'italien, mais il y a la traduction en français. Abonne-toi, s'il te plaît, sur cette chaîne YouTube Hypnose DCS, Méthode DCS, Dr. Claudio Saracino, et partage mes contenus de valeur avec ta copine, ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Et suis-moi aussi, s'il te plaît, sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Hypnose DCS, Méthode DCS, Dr. Claudio Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote, et à la prochaine, Dr. Claudio Saracino. À la tienne, ciao.